Merci Seigneur, merci mon Dieu. La fin de tes souffrances. Amen. Non, béni bon Dieu, parce que lui offre une opportunité, je vous l'ai dit, pour être capable d'enseigner parole lui. Donc, on a répété parole, ça, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Eh bien, nous avons nécessité pour nous partager avec le monde qui est intéressé à cela, parole bon Dieu. Ça, bon Dieu, apprendre nous, ça nous apprendre la caille, bon Dieu. Donc, c'est Paul qui dit ça à Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Mais ça, bon Dieu, te permet d'apprendre la caille, et bien, je ne veux dire, partager avec l'autre monde. Et l'autre monde, même en retour, il y aura gagné pour partager avec l'autre monde. Nous avons eu l'occasion pour nous étudier ensemble grand sujet, ça, c'était le règne millénaire, appelé également le millénium. Donc, à travers ce sujet, ça, vous avez remarqué qu'il y a eu plein de questions. C'est un sujet qui était vraiment animé, ça a été intéressé dans plein. Les nouveaux participants, eux-mêmes, ils ont participé vrai. Il n'y a pas des participants inactifs, mais des participants actifs. Actifs dans le sens qu'ils ont posé des questions, ils ont partagé des points de vue, ça a intéressé dans plein. Nous avons eu l'occasion également, après sujet ça, pour nous, l'autre monde qui t'a continué à écrire sous page là, ça qui t'a posé question, qui t'a encouragé nous tout. Mais nous avons eu un cas côté de un frère, lui-même, il n'est pas d'accord la question que, ouais, bon, je vais l'établir sur la terre. Il croit que le règne millénaire, il croit que c'est dans le ciel. Il était voué plusieurs versets à nous, qui prouvaient que, nous parlons dans le ciel. Je demandé pour l'expliquer, mon verset, il dit, m'a quitté l'esprit, mon Dieu. Expliquez mieux. Donc, il n'y a pas de vous. Ça a suscité nous pour nous enchaîner sujet, ça a été dimanche dernier, avec sujet, nous allons débattre aujourd'hui, qui c'est une analyse de certains textes portant à croire ou faisant allusion à une vie éternelle au ciel. Excusez-nous à tout le monde parce que nous avons été annoncés d'avoir étudié le mystère de la divinité ou encore la hiérarchie de Dieu. Sujet, ça nous quitter pour dimanche prochain parce que face à soi, foncer des mondes jusqu'à présent qui croient que le bon financier, et d'ailleurs, nous disons, nous avons un frère, il y a des versets qui montrent que c'est dans le ciel, l'élément de l'expliquer, un verset, il n'est pas vrai. Eh bien, à travers le sujet de ce jour, on a bien opportunité pour nous étudier ensemble l'autre verset. Et si tu as un nom qui a des versets également qui dit nous dans le ciel, nous allons vivre, mais pas sur la terre, ou tu peux partager ensemble avec nous, on a débattu ensemble. Malheureusement, bien aimé frère, il n'est pas vrai. Expliquer nos versets. Il y en a plusieurs, dans Jean 14, il y en a plusieurs, Alain Corinthien avec nous, qui montrent que nous pouvons vivre dans le ciel. Mais malheureusement, pas capable d'expliquer. Eh bien, nous avons un sujet ça qui dit une analyse de certains textes portant à croire ou faisant allusion à une vie éternelle au ciel. Alors, un ensemble de versets à travers la Bible, lorsque on dit les versets ça, on a dit qu'on va vivre dans le ciel. Mais ce n'est pas ça du tout. Donc, mais c'est ça que nous allons faire la journée jeudi. Nous avons ensemble des textes. Nous allons analyser ensemble pour nous voir effectivement si nous allons vivre dans le ciel ou pas. Avec qui objectif sujet jeudi? Nous dit, à la fin de l'enseignement, les étudiants devront être en mesure de comprendre que les enfants de Dieu ne vivront pas éternellement au ciel et seront capables d'exposer cette vérité à d'autres. C'est ça nous avons comme objectif. Tout étudiant, tout le monde apprend l'enseignement, ça doit connaître que petit bon Dieu, il n'y a pas le vivre dans le ciel pour tout le temps et il est en mesure pour transmettre connaissance ça avec l'autre monde. Donc, on espère que frère qui te pose un ensemble de questions, ça y est, les mêmes tout pour participer ensemble avec nous.
pour ta participation ensemble avec nous et nous allons analyser verset lieu d'où les mêmes les cap fait interaction ensemble avec parmi verset mon yo prend qui parlait de ciel c'est n'a pas Matthieu Marc 1 verset 15 et Matthieu 4 verset 17 côté il a parlé du royaume de Dieu et royaume des cieux depuis souvent mon yo mal comprend le texte ça nous expliquer texte ça déjà mais après retourner sur texte ça encore aucune différence entre les deux expressions, le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Il y a monde qui établit différence, fait quoi que le royaume des cieux a son autre bagage, le royaume de Dieu son autre bagage. Pourtant, il n'y a aucune différence. L'un d'entre vous étudie le sujet, ça qui c'est le royaume de Dieu, nous t'éprouvons ça. Mais je dis, on a vu avec plus versets qui parlent du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Dans le premier verset, nous allons aller dans Marc 1er, verset 15. Et Matthieu 4, le verset 17. Donc, si nous avons ouvert le Bible, nous cherchons le verset ensemble avec moi, très intéressant. Je vais aller tout sous mes yeux. M'espérer dans le texte, mon bien là, verset, frère de moi, le gars là-dedans. Mais je ne suis pas là d'analyser ensemble avec quand même. Entre temps, en fait, deux choses à la fois. Là, je vais tout vérifier verset yo, pour nous être capables d'étudier ensemble. Marc 1er, verset 15. Pour rien, on a la journée. Marc 1er, le verset 15. Hein? Marc 1er, verset 15. Et Matthieu 4, verset 17. Marc 1er verset 15. Il disait le temps est accompli. Il a ce Jésus qui a parlé, il disait temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Ça c'est Marc 1er verset 15, il disait repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Marc présentait ça comme royaume de Dieu. On a le qui ça Matthieu dit lui-même. Matthieu 4, verset 17. Marc dit royaume de Dieu est proche. Matthieu lui-même qui ça le dit. L'appelé Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Oui. Et à dire. Jésus commença à prêcher, mais ça, Jésus s'est rapporté ça. Repentez-vous car le royaume des cieux. Matthieu dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Regardez bien, Marc parle du royaume de Dieu, Matthieu parlait du royaume des cieux. C'est le même discours, hein? C'est le même élément, même fait qui est rapporté à la différence. Un évangéliste parle, présente le discours Jésus en utilisant le royaume de Dieu, et un autre présente le discours en disant le royaume des cieux. Qu'est-ce qui fait cette différence? Il n'y a donc aucune différence. Si nous t'avons les considérer une différence, nous avons dit l'évangéliste Marc lui-même lui mettait accent sur donc le propriétaire de ce royaume, le royaume de Dieu, royaume mon Dieu à l'époque. Jésus dit royaume mon Dieu à l'époque, le royaume de Dieu. Tandis que Matthieu lui-même lui parlait de la provenance de ce royaume, qui côté royaume d'absence. Matthieu parlait du royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire le royaume qui vient des cieux. Royaume n'a pas sauté dans le ciel. Il n'a pas dit nous allons dans le ciel pour aller dans le royaume. Non. Il dit pour nous repentir parce que le royaume qui a sauté dans le ciel, le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume qui vient des cieux, ce royaume, il est proche. Mais il n'a pas dit nous allons dans le ciel là pour aller vivre dans le royaume non, pour tout le temps. On a les bonnes choses pour ça, l'évangéliste Luc dit lui-même. Luc 13, le verset 28. Et après Matthieu 8, verset 11. Et après, c'est même événement qui est rapporté, il est présenté comme royaume des cieux, l'autre là, royaume de Dieu. Luc 13, le verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, Luc dit, Jésus dit, c'est là pour aller en plus le monde qui va le crier, en plus le monde qui va le réler. Comme vous avez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il va avoir Isaac, Jacob, tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et nous-mêmes, ça qui va passer avec nous. Et nous-mêmes, il y a des noms d'ailleurs. Regardez bien, Marc et Luc, ils ont rapporté évidemment même Jean, ils ont utilisé l'expression royaume de Dieu
tandis que Matthieu, lui, il rapporte cet événement en utilisant l'expression royaume des cieux. Comme je le disais tantôt, il n'y a aucune différence. On a regardé pour nous est-ce qui ça lui dit non. Dans Matthieu 8, verset 11. Matthieu 8, le verset 11. Alors, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Moi, dis-nous ça, en pile, mon absolute, en Orient, en Occident. Ils seront en train d'aller parler à Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Il y a ensemble avec Abraham, il y a avec Isaac, il y a avec Jacob, dans le royaume, dans le ciel, le royaume des cieux. Est-ce que le texte a dit, moi là, nous pouvons aller dans le ciel, l'ennemi vient dans le ciel là, nous ne pouvons pas, et en plus, nous avons dehors, nous avons Abraham, nous avons Isaac, Jacob. Non, et pas ça, Jésus a dit là. Jésus qui s'est parlé de royaume, nous avons bien établi. Pablo nous a dit, royaume nous avons établi déjà, bon, depuis l'époque d'Adam, royaume monde a été là sur la terre. Et bien, avec la colonisation romaine, maintenant, Israël vient perdre le royaume. Mais, prophétie déjà annoncée que le peuple juif, là, la bourgeois de royaume encore. Il y a un Messie qui a venu, qui a détruit tout pouvoir mondial. Et lui-même va l'établir au royaume, il va l'établir réel. Ce règne, ce sera sur la terre et non pas au ciel. Donc, qu'il soit royaume de Dieu, qu'il soit royaume des cieux, c'est la même chose. C'est le même événement qui est rapporté. Ce n'est pas un royaume, nous allons prendre un ciel, loin du tout, loin de là. On va analyser un texte. Bon, frère, tu vois le texte à bon moment. Jean 14, verset 1 à 3. Frère, tu vois le texte à bon moment. Nous allons dans le texte là. Frère, dévoyez Matthieu 22, verset 23 à 30, livre Apocalypse 21, livre 2 Corinthiens 5, verset 1er, livre Jean 14, bon moins, livre 1 Corinthiens 15, verset 19. L'idée pour le moment, ça seulement. Ah ben, on a 20 verset, mon frère. Même l'on va brancher pour nous à l'église. Hein? Après, l'on va souvenir, on va voir notre conseil de verset. En attendant, nous parlons Jean 14, verset 1 à 3. Jésus a parlé de dire que cœur n'est pas troublé. On met quoi dans mon Dieu, nous mettons quoi dans moi-même. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, si ça, pas tout ça, je vous l'aurais dit. Dit non. Je vous prépare, je vais vous préparer. Jésus dit, je vais le préparer pour nous une place. Et lorsque je m'en serai allé, lorsque je m'allé, et que je vous aurai préparé une place. Et que vous préparez une place pour nous. Je reviendrai. Ma tourne, et je vous prendrai avec moi. Et ma prendrai ensemble avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez. Côté mien, c'est là où vous voyez tout. Alors, mon frère, voilà le verset. Jean 14. Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, Jésus dit que votre cœur ne se double point, croyez en Dieu, croyez en moi. Malheureusement, il n'y a pas d'opportunité pour te suivre le sujet ça, que nous allons la maison du Père. Dans ce sujet, la maison du Père, nous t'ai développé, ah ben, Jean 14, verset 1 à 3. Lorsque Jésus dit que votre cœur ne se double point, croyez en Dieu, croyez en moi, nous t'ai montré que Jésus-Christ a fait en préparation de pensée, en préparation de cœur. Nous t'ai à l'inverse plus haut qui c'est Jean 13, fin Jean 13 là, pour nous voir qui ça, Jésus t'a dit. Il t'a dit, il va aller, ah ben, nous gagnons par exemple, Pierre qui t'a dit Jésus, il va la veille. Jésus t'a dit, Pierre, non, mon cher, côté, il va aller, on va caler, ou caler plus tard. Pierre dit, Jésus m'a mouru, vous. Jésus dit, ah, ou Dieu, moi, vous, moi, je crois que je ne vais pas me chanter. Trois fois, on vient de dire pas de jambes qu'on aime. Donc, côté Christ après l'IA, Pierre pas tap ka aller. Et d'ailleurs, c'est pas mission Pierre, ça, c'est pas Dieu Pierre, ça. Lorsque Jésus dit, je vais vous préparer une place. Place, qui sortit dans la langue grecque, là, qui c'est topos. Je te dis place par topos dans la langue grecque. Donc, qui veut dire place, qui veut dire position. Jésus Christ dit, m'gal, prépare une place pour nous, m'gal, un côté pour mettre nous. Mais ce n'est pas dans le ciel Jésus t'a parlé, elle t'a fait une déclaration. D'ailleurs, tout le monde comprend ça extrêmement bien. Surtout, bien-aimé, qui t'a voyé nous à Jean 14 là, qui pensait que Jean 14 dit non, nous allons dans le ciel. Donc, je vais citer nos frères, tout le monde qui t'a suivi la fois dernière, de venir aller dans l'échange de la France avec moi. Donc, Jésus t'a parlé, mourir, mon frère. Jésus-Christ a pris mourir pour sauver l'humanité et lorsqu'il te dit, il a préparé une place pour nous. Jésus-Christ n'est pas dans le ciel, il t'a pris aller au point où pour t'arriver dans le ciel pour la bâtir caille pour nous. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ a pris la croix.
Les tables des disciples, c'est pour que nous ne pas troubler, elles font préparation de pensée, nos préparations de cœur. Jésus-Christ sûr que lorsque les disciples apprennent que les mourir, eh bien, la mort de Jésus-Christ est capable de signer un pile problème dans le temps, un pile trouble dans le temps. Donc, il dit que pas besoin de troubler, nous mettons quoi dans mon Dieu, nous mettons quoi dans moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Bon, place pour nous. L'aime vini, côté m'apprend nous. M'gala avec nous, côté mia, c'est là, n'va y tout. Donc, nous t'expliquer le mot demeure. Qui ça, Jésus, te voulait dire, l'état parlé de, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Nous te montrer clairement que demain ici, pas voulait dire, Jésus-Christ dans le ciel là, l'a préparé, gros, caille, selon, travail au monde de faire bien gros caille selon travail il fait bien petit caille dans ciel là. On dirait que mon Dieu t'a pensé Jésus-Christ dans ciel là l'on véritable chantier. Donc la travail la fait caille gros caille parce que demeure ça signifie pour yo domicile. Oui, demeure veut dire domicile mais dans contexte texte là il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Jésus-Christ donc l'état pour la chercher comprendre qui ça demeure. Donc ouais, le mot demeure vient de l'hébreu makom. Makom qui signifie place, qui signifie poste, qui signifie fonction. Par conséquent, la demeure fait référence à la détention d'un poste de responsabilité dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ça parle de la caille, papa me dit la caille. Demeure, c'est fonction, je veux dire. C'est poste, c'est place que je veux dire. C'est qui positionne bien lorsque nous allons au royaume. Non. C'est ça Jésus-Christ a dit, disciples. Demain, ce n'est pas caille. La maison de mon père, ce n'est pas le ciel. La maison de mon père, c'est l'église, dans un sens spirituel. Dans un sens spirituel, sous la grâce, lorsqu'on parle de la maison de mon père, on parle de l'église. Donc, l'église est une maison préparatoire à la véritable maison de mon père, à la maison de David, le royaume de Dieu. Nous t'ai montré que sous la loi, la maison de Dieu ou la maison de mon père, qui s'agit encore? La maison de mon père sous la loi, n'oubliez. Hein? La maison de mon père, c'est donc sous la loi, c'est donc la nation d'Israël. C'est la nation d'Israël qui est la maison de mon père, la maison de Dieu sous la loi. Tandis que dans la conception juive, dans la pensée juive, lorsqu'on juif d'eau, il parle dans la maison de mon père, livre de Dieu, il parle dans le temple de Dieu qui était à Jérusalem. Donc, je souhaite aux auditeurs bien comprendre ça, bien comprendre ça. Sous la loi, la maison de mon père, la maison de Dieu, ce qui s'altéait, c'était la nation d'Israël. Parce qu'Israël, c'était le seul peuple juif sur la terre. Mon Dieu, pas de deux, pas de trois. C'était seulement les juifs. Maintenant, pensez dans l'imaginaire des juifs, lorsqu'on parle de la maison de mon père, on parle tout simplement du temple de Dieu qui était à Jérusalem. Mais dans le temps, pas nous, on a donné âge l'église là. Dans le dernier âge, là, qui c'est l'église, dans le fin temps, eh bien, sous la grâce, la dispensation de la grâce, lorsqu'on parle de la maison de mon père, alors on ne parle que de l'église. C'est l'église qui parle. Donc, le ciel n'est pas la maison de Dieu. Donc, il dit que la Bible dit, mon Dieu dit à Bouchli, ciel là, c'est trône moi qui est lié. Le ciel est mon trône, j'ai dit la terre mon marché. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Pas moi de bon Dieu pour la bâtir une maison, vous le dites pas dit bon Dieu, ciel là c'est maison. Non, le ciel n'est pas la maison de Dieu, le ciel c'est le trône de Dieu, la terre c'est marche-pied, c'est côté bon Dieu mettre pied. Côté bon Dieu marche-pied. Donc, alors mon frère, comprenez bien, Jean 14 n'a aucun rapport avec ciel. Jésus-Christ dit, côté ma pierre, c'est la navaille et tout. Ma vie prend l'ombre là avec nous. Côté ma pierre, c'est la navaille et tout. Mais Jésus n'a pas dit dans le ciel. De même, il n'a pas dit tout là sur la terre. Dans le texte, Jésus n'a pas aucune précision de qui côté la pierre. Il seulement dit, côté ma pierre, c'est la navaille et tout. Eh bien, mes amis, ça, nous, qui ne voit pas nous. En tant que monde qui voulait apprendre bon Dieu davantage, nous capable de sauver. Parce qu'il faut bien connaître sans parler de Dieu pour sauver, il faut nous aller chercher qu'on est qui côté Jésus à pied. Parce que lui m'a venu, afin que là où je suis, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc côté ma pied, c'est là n'a bien tout. Maintenant, nous devons dire, donc, côté Jésus à pied. Eh bien, laissez-nous aller à travers la Bible montre nous clairement que Jésus-Christ est sur la terre que la vie. La Bible dit Jésus qui savait prendre le trône de David, son père. Donc, en référence. Luc 1er, verset 31 à 33. Nous n'avons pas le verset, mais là, Luc 31, verset, Luc 1er, 31 à 33, les montrent que Jésus-Christ a vu le trône de David, son père, c'est là Jésus-Christ a régné éternellement, l'a régné pour tout le temps.
Donc, c'est ça qu'on t'a expliqué. Alors, mon frère, le royaume de Dieu, ce n'est pas dans le ciel que lié, pas quelqu'un qui va vivre dans le ciel pour tout le temps. Non pas enseigner, pas quelqu'un qui va dans le ciel, nous pas dit ça là. Dieu qui va dans le ciel, mais pas va rester éternellement dans le ciel. La Bible décrit une catégorie d'individus, une catégorie de serviteurs, si vous voulez, qui vient pour y aller dans le ciel pour un peu de temps. Après, on finit par ce petit temps, on va passer dans le ciel, il va retourner sur la terre pour vivre éternellement. Parce que bon Dieu t'a créé la terre pour l'homme vivre éternellement. Bon Dieu t'a créé la terre pour le bâtiment des êtres. Alors, c'est ça. Jean 14 enseignait, Jean 14 pas dit, bon Dieu, Jésus a venu prendre la main. Non, oh, non, 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 non. Il seulement dit, il va prendre place pour nous. Mais place, ça, c'est la croix, le bras. Parce que si Jésus n'a pas mouru, il n'y a pas moyen pour qu'il nous sauve. C'est pas la mort de Jésus et pas sa résurrection, n'a pas droit à son salut. Donc, il faut qu'il mouru, il ressuscité, laisse sa place auprès du Père est préparée. Qu'il y a accès à tout ce qu'a fait la carrière, mon Dieu. Depuis nous convertis, depuis nous repentis, nous avons possibilité maintenant pour faire service, mon Dieu. Avant, nous pas capable. Si Jésus pas mort, nous pas capable. Donc, il faut préparer place là pour nous. Il faut préparer place là pour nous. Donc, je dis qu'en pile demeure de la maison de mon Père, ça veut dire qu'il y a plusieurs fonctions, plusieurs postes de responsabilité. Quand dit le royaume de Dieu, quand dit la maison de Dieu, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Donc, Jésus va le préparer en place. Pour nous, ce n'est pas le ciel, c'est clair. Ah ben, il va dans le ciel d'Italie. Même j'ai un monde qui dit que Jésus-Christ dans le ciel a préparé Kaïbouyo. Jésus-Christ montre une vision que Kaï Pasteur est déjà construit. Kaï parle lui-même pour construire parce qu'il peut trouver les matériaux montés. Donc, nous même qui comprenons la parole de bon Dieu, nous, la parole, ça aussi, c'est hérésie, oui, c'est fabuleux, oui. C'est jouette. Eh ben, en allant dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Napoléon l'autre texte, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. L'autre monde va vivre dans le ciel, il ne va pas vivre dans le ciel pour tout le temps et il va aller vers ça. Côté Paul dit, car le Seigneur lui-même, non signal cap bail, doit quand je viens pour le parler, bon trompette qui vient pour le sonner, Jésus a descendu du ciel. Il est mort en Christ, ressuscité. Mort dans Christ, il a levé avant. Ensuite, nous les vivons. Et nous-mêmes qui ne pouvons pas mourir, qui vivent toujours, nous serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec le Seigneur. Nous avons enlevé avec Mounsa qui est mort ressuscité sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons rencontrer Christ non, en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi, nous sommes toujours avec Christ. Alors, l'homme ne peut pas affirmer dans mon Dieu, immédiatement, nous reverser ça, libérer bien même. Après, la Bible dit. M'a toujours avec le Seigneur. M'a toujours avec le Seigneur, mais pas dit m'a toujours dans le ciel avec le Seigneur. Nous prenons le ciel avec le Seigneur pour un titre, pour un peu de temps. Pour un court temps, nous prenons le ciel avec le Seigneur. Après ça, nous retournons sur la terre. C'est ça, puis nous pouvons comprendre. Donc, nous demandons pour mon Dieu faire un peu de grâce pour comprendre ça. Oui, il y a des gens qui prennent le ciel, nous pas jamais enseigné, pas des gens qui prennent le ciel. Il y a des gens qui prennent le ciel, mais nous ne pouvons pas aller pour vivre pour tout le temps. Parce que le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Jésus est sur la terre, la vie éternellement. Dans un premier temps, la vie dans les airs, la vie dans les membres de l'épouse pour un certain temps. Après ça, la vie retourner avec eux sur la terre. Là, il n'a toujours avec le Seigneur. Oui, il n'a toujours avec le Seigneur. Parce que le Seigneur sur la terre en chair, on savait qu'on n'a toujours ensemble avec lui. N'a toujours avec le Seigneur, par les dit, n'a toujours dans le ciel avec lui. C'est ça qu'on doit comprendre dans le texte là. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, nous sommes toujours avec le Seigneur. Amen. Jésus, les gars pour le venir, la prend épouse pour passer mon Dieu dans le ciel. Nous avons confié ça, c'est pour 3 ans et 6 mois. Mon Dieu va dans le ciel, il va aller pour 3 ans et 6 mois. Donc, pas mal de versets, parce que ça sont notre étude, nous avons étudié ensemble avec vous. Et on s'est même créé l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons étudié également la première résurrection et ses deux phases. Et là, ça nous va établir où l'épouse a monté dans le ciel pour 3 ans et 6 mois. Mais nous tout profitons d'occasion. Nous disons, le monde qui va dans le ciel, il va aller pour 3 ans et 6 mois après sa prière, il va tourner sur la terre avec Jésus. Donc, nous serons toujours avec Jésus. Donc, il sera toujours là avec nous. Que là, dans le ciel pour 3 ans et 6 mois, nous sommes ensemble avec Jésus. L'aile retourne sur la terre, nous sommes avec Jésus. Donc, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais verset n'a pas dit, nous serons toujours avec le Seigneur au ciel. Si le texte dit, nous serons toujours avec le Seigneur au ciel, bon, là, nous avons raison. Quand il y a là, tout le texte de Jésus qui est sur la terre, là, il n'y a pas d'évoquer du tout. Ça, c'est clair. Parce que la Bible n'est pas en contradiction à quoi peut-être parle. Non. La Bible n'est pas en contradiction. C'est nous, les hommes, qui ne comprennent pas le bon Dieu, qui parlent mauvaise interprétation pour pouvoir ruiner nous, pour pouvoir destruction.
mais la Bible était sale. Texte à clair, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Il dit, nous prenons le ciel, oui, nous prenons le ciel, nous sommes toujours avec le Seigneur, mais ce n'est pas dans le ciel, nous sommes toujours avec le Seigneur. Quel que soit côté Seigneur, il y en a plein avec. Là, dans le ciel pour un temps, 3 ans et 6 mois, comme on dit nous, après 3 ans et 6 mois, Jésus-Christ a retourné, vient sur la terre. Avec tout le monde qui était monté avec lui, il a descendu. Zacharie 14 parle de ça, ses pieds se posant sur la montagne des Oliviers. Apocalypse parle de ça tout, de Jésus-Christ a venu avec, monde était beau descendu. Avec monde était monté, il a retourné avec lui encore. Bref, nous pas dans le ciel pour tout le temps, nous pas dans le ciel pour un peu de temps. Après ça, nous retournons vivre sur la terre avec Jésus. Effectivement, nous serons toujours avec le Seigneur, mais pas au ciel, s'il vous plaît. Donc, le règne de Christ sera sur la terre pour toute l'éternité. Nous considérons l'autre verset qui est 2 Corinthiens 5, verset 1 à 10. Bon, moi, si l'on lit pas, frère, il y a des bannons de Corinthiens, même pas quoi c'est ça, il y a des bannons. Il dit 2 Corinthiens 5 verset 1. Ah ben nous même n'a pas plus mon frère. 2 Corinthiens 5 verset 1. Ah ben nous même n'a prendre le verset 1 à 10. Ah me demander pour expliquer les mêmes dit quitter l'esprit bon Dieu diriger moi l'esprit j'ai expliquer ni les mêmes pas expliquer. Ah ben mon frère nous pour aller dans 2 Corinthiens 5 verset 1 à 10. Qui ça Paul dit? Nous savons. Nous connaissons en effet. Si cette tente pour nos habitants mmh. sur la terre est détruite, si tente nous habitons sur la terre, elle est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Nous avons dans le ciel là un édifice qui c'est œuvre bon Dieu qui est. En fait, c'est un peu la même chose. Ça fait frère à nous, c'est ça, parce que Jésus, Paul dit si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel là, il y a l'autre tente ou bien l'autre caille qui s'est ouvert, mon Dieu. C'est comme ça que tu texte. C'est pas ça du tout, mon frère. Nous avons même fait chanter sous bas, ça. Il dit si la terre a brandi feu, on doit aller habiter. Si la terre a brandi feu, on doit aller habiter. Moi, je vais aller habiter avec Jésus. Moi, je vais aller. Moi, je vais aller habiter avec Jésus. Ah, mais c'est là, qui chante. Mais chante à droite, parce que mon Dieu fait une mauvaise interprétation de ce verset. Il n'y a pas comment ça veut dire, tant nous habiter. Si c'est tant où nous habitons, tant nous habiter. Il n'y a pas comment ça veut dire. Nous avons dit tout à l'heure. Oui, même si Kaye côté nous est sur la terre, t'a détruit, eh bien, nous avons l'autre Kaye dans le ciel là. Ah, là, c'est pas ça. Et puis, bref, comme si elle dit, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'ordre. Nous avons carrément dans le ciel là, qui l'a pour tout le temps. Ce n'est pas les hommes qui le font. Mon abdou soit dit là, moi, je vais vivre dans le ciel pour tout le temps. Lui dit, nous avons carrément dans le ciel là, nous avons une demeure éternelle. Ah là là. N'a pas avancé. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Paul dit, nous gémissons dans la tente que nous sommes. N'a jamais pu nous habiller nous avec domicile céleste là. Dites-moi si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Paul commence à faire explication là. Si vous êtes lié à ça, mon frère, peut-être que vous dites si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Paul commence à dire la lettre. T'as pas de 7 ans de qui s'y a parlé. Domicile là de qui s'y a parlé. Il n'y a pas parlé de caille qui sur la terre. Mon frère, cette tente où nous habitons, c'est notre corps physique. C'est notre corps physique qui est cette tente. Ce n'est pas un caille que nous gagnons sur la terre, si le crasé, côté nous était. Si le caille s'attaque à nous avons l'autre caille dans le ciel là qui sont de l'éternel. Éternelle. Ce n'est pas ça, Paul a dit là. Pour le corps physique, ça nous gagnons. Si le détruit, ça ne va pas rien. Parce que nous avons notre corps qui attend nous qui sont corps de gloire. Ah mais corps de gloire, ça son corps, on sont demeure éternel lié. Ça veut dire l'un corps ça, nous pas même mourir encore. Nous avons l'autre corps transformateur, il y a l'autre corps incorruptible. C'est ça qu'on l'a dit là mon frère. Paul pas dit que nous avons caille dans le ciel qui sont caille qui là pour tout temps. Oh non. C'est pas ça. C'est temps où nous habitons, c'est-à-dire nous, l'esprit nous avons corps les habiter, corps ça son enveloppe lié. Ah mais son temps lié, son enveloppe lié. Ce n'est pas le plus important, ça qui est important, c'est amenant. C'est lui-même qui permet de penser, qui permet d'agir, qui permet de faire tout le bagage.
l'âme qui est dans ce corps physique. Donc, corps physique, ça, Paul révèle le temps lui-même. Et pas sans raison, Pierre te dit, Paul explique des choses difficiles à comprendre. En pile, mon temps de sens, parole là, pour pouvoir ruiner. Eh bien, dans ça, il prend là. Là, Paul a parlé de temps lui-même, il pense que c'est caille qui a bâti dans le ciel là. Parce que le monde, c'est pas la caille, dans le ciel, il va aller. Trésor à caillou, en haut, tout fisqué, il y a autant des anges qui ont brûlé en ciel là. Si Jésus n'a pas brûlé en ciel là, qui ça fait? Donc, les amis, l'homme mal comprend la parole de Dieu ou écrit mauvais chant ou chante mal. Paul dit, n'a pas gémi dans cette tente. Ça veut dire, n'a pas gémi dans le corps physique, non rien. N'a pas gémi là-dedans. Paul dit, nous désirons pour nous revertir, c'est-à-dire pour nous habiller, nous. Il y a une autre fois, du domicile céleste, il y a un autre corps qui a sauté dans le ciel. Si du moins, nous trouvons nous habillés et non pas nus. Car Paul dit encore, car. Non, car. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Voilà. Celui qui nous a accordé pour cela, c'est mon Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc pleins de confiance. Et nous savons que demeurer dans ce corps, on précise on parle d'une baille là. Paul pas dit demeurer dans cette tente qu'il y a long. L'expliquez-nous là en demeurant dans ce corps. L'ennemi était dans le vieux corps, ça, mais nous demeurons loin de Christ. Faut nous venons notre corps, faut nous prenons notre habillement sur nous. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vie. Voilà. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Voilà. Paul dit, nous t'a aimé quitter corps, ça. Et pas cailler là, sous la terre. Nous, Paul dit, nous voulons quitter pour dans le ciel, non? Non, Paul dit, corps physique, ça, nous voulons quitter. Pour qui ça? Pour demeurer auprès du Seigneur. Parce que nous parlons corps de gloire, un corps transformateur. Nous ne pouvons pas demeurer avec Jésus, avec ce corps mortel. Donc, pour nous, un corps de gloire, pour nous capables de demeurer avec Christ. Parce que Christ, après avoir été ressuscité, après sa résurrection, il a eu un corps glorieux, un corps immortel. Donc, Christ a eu l'immortalité par sa résurrection. Eh bien, nous-mêmes, nous parlons d'immortalité à tout. Eh bien, nous avons l'autre corps de Paul Dintime pour quitter pour ça, pour nous habiller nous avec l'autre corps. Et ça qu'a dit là. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est peut-être ça qu'on a fait effort pour nous être agréable dans le bon Dieu. Soit que nous demeurons dans ce corps. Soit que nous avons toujours dans corps ça. Soit que nous avons quitté. Nous faut tous corps pour paraître devant le tribunal de Christ. Faut tout le monde paraître devant le tribunal de Christ là. Fait chacun reçoit selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Autrement dit, étant dans cette tente. Étant dans cette tente. Bon, c'est clair. Donc, la tente dont Paul parle n'est pas une habitation céleste. Mais cet édifice fait référence à un corps de gloire que nous aurons après quoi? Après la résurrection. C'est ça pour la montrer là. Les mourir, nous avons l'autre corps, nous allons gagner. Et même si nous ne pas mourir, corps ça, nous allons gagner là, nous allons subir une transformation. Parce que faut quoi devient incorruptible, immortel. C'est ça pour l'expliquer là. Paul pas dit nous avons une maison dans le ciel. Oh non. Nous allons maintenant dans 1 Corinthiens 15, verset 50 à 55. Il n'y a pas de bail verset ça, non? 1 Corinthiens 15, verset 55. Pour moi qui fait que je n'en ai analysé une série de versets qui dit que le monde va vivre dans le ciel pour tout le temps. Je analysé l'autre verset avec les yeux charnels où il voulait comprendre pourquoi il est dans le ciel. Mais en réalité, ce n'est pas ça le verset. Nous considérons un gros verset là, 2 Corinthiens 5, verset 1 à 15. Vous n'avez pas parlé de temps, en plus, on pense que c'est un caillou sur la terre. Vous n'avez pas parlé de l'autre caillou dans le ciel. Non. C'est corps ça nous gagne. Vous n'avez pas parlé de corps dans le ciel là pour nous. Avec quoi ça va être réservé sur la terre, mes amis. On est encore glorieux, on est encore capable dans le ciel. On n'a pas le revêtu dans l'autre habillement. On a le. Non, verset 50. Un côté. Ok, ce que j'ai dit, frère. C'est que la chair et le
sang ne peut hériter le royaume de Dieu. Paul dit la chair avec sang pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'est pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Paul dit, m'galba nous yon mystère. Nous te parlons de mystère. Yon mystère, c'est un bagage qui caché, qui connaît. Donc, Paul dit, nous, on bagage nous pas connaît, m'galba dévoiler là, nous là. Ça, c'est un mystère, lui. Qui mystère, Paul dit? Nous ne mourons pas tous. Paul dit, c'est pas tout le monde qui a mouru lorsque Jésus a retourné sur la terre. Mais tous, nous serons changés. Mais nous, tout a changé. Tout le monde n'a pas mouru. Ça, c'est un mystère lié. Et pas tout le monde a mouru, mais tout le monde a changé. Il est. Paul dit, non, titan. Non, badge. À la dernière trompette. Ça veut dire qu'il y a plusieurs trompettes qui vont sonner, mais le travail, ça l'a fait à la dernière trompette. Ma profite dit, non, il y a 7 trompettes qui vont sonner. Mais c'est lorsque la 7e trompette a sonné, événement ça va le bouger. Ça Paul dit? La trompette sonnera. Trompette a sonné. Et les morts y a levé incorruptible, il y a levé avec l'autre corps. Et nous-mêmes? Nous serons changés. Nous avons changé, voilà. Paul dit nous-mêmes, nous avons changé, nous avons transformé. Donc nous n'avons pas même temps là encore, nous n'avons pas même corps encore. Nous avons l'autre corps. Car il faut que ce corps corruptible, Paul dit, faut corps ça qui est capable de détruire, corps corruptible ça qui est capable de pourrir, faut qu'il est habillé avec un autre corps qui pas capéri, qui est incorruptible. Et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Ce corps mortel là, faut qu'il y ait un autre corps qui c'est immortalité. Faut qu'il est habillé avec un autre corps. Cabrin immortel comme Christ. Lorsque ce corps corruptible aura réverti l'incorruptibilité. Paul dit, lorsque le corps qui est capéri, qui est détruit, qui est habillé avec un autre corps pas péri. Et que ce corps mortel aura réverti l'immortalité. Lorsque le corps est capéri, pas capéri encore, nous venons dans notre corps immortel. Alors ça accomplira la parole qui est écrite. Parole sans écrire et laisse ça pour accomplir. Qui parole? La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Qui est la mort engloutie dans la victoire? Parce que Jésus-Christ ressuscité. Au mort? Au mort, où est la victoire? Au mort, où est ton aide? Voilà. Donc, notre tente, c'est une tente de gloire. Amen. Nous aurons un corps glorieux à la résurrection. Donc, sur notre corps, mon diable, non, mais ce n'est pas un caille qui va dans le ciel là. Donc, je souhaite que mon frère bien comprenne ça. Donc, sur notre corps, mon diabaye, nous parlons de notre corps. On prend Hébreux 12, verset 18 à 24. Hébreux 12, verset 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. On pouvait toucher et puis était embrassé par le feu. Paul parle avec les Juifs là. Paul dit non pas t'approcher d'une montagne qu'on était capable de toucher et qui était prêt avec du feu. Paul a parlé là de montagne de Sinaï. Mais non même je dis là c'est pour montagne qu'on s'est approché. On allait. Ni de la nuée, ni de la ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût allisté aucune de plus. Ils ne supportaient pas cette déclaration. Ça, qui déclaration? Si même une bête touchait la montagne, touche la montagne, sera lapidée. Et bon, bête a touché la montagne là. Moïse dit. Ce texte, ça t'est tellement terrible, mais ça, Moïse dit. Je suis épouvanté tout en bas. Ah, Moïse dit, ça fait qu'elle me saute. Mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Paul dit, mais nous-mêmes, nous approchons de la montagne de Sion. De la cité de Dieu vivant. La Jérusalem céleste. La myriade qui forme le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Juste qu'il est le Dieu de tous. Ok. Les esprits les justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de la Sion. Et
qui palier que celui d'Abel. Oui, Paul a fait une grande différence. Lorsque Montaï Sinaï a embrasé, c'est président Jésus. Et bon Dieu, là, Paul dit, c'est pas en qualité Montaï, ça, nous t'es approché nous-mêmes. Nous t'es approché de vraies montagnes, là, la montagne de Sion. Paul a parlé de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem, c'est l'est des meilleurs qui forme le cœur des anges de l'assemblée. L'assemblée des premiers-nés inscrit dans les cieux, mon ami, non inscrit dans les cieux, puisque non inscrit dans les cieux, sur la terre, on est lancé sur la terre, les anciens libéralement. Non inscrit dans les cieux, qui côté mon Dieu, dans ciel lié. Le livre de vie n'est pas sur la terre, ce livre de vie est au ciel. Ah ben, c'est normal, si non pas inscrit dans le livre la vie, dès avant la fondation du monde, il n'y a aucun moyen du salut. Pas qu'on cap sauver si mon nom n'est pas inscrit dans le livre là. Pour la montrer là, non mon sayo qui joue l'esprit bon Dieu qui sont grâce mon Dieu, eh ben mon sayo note inscrit dans les cieux. Inscrit dans les cieux pas signifie que nous allons dans le ciel pour nous vivre. Oh non, mais inscrit dans le ciel là, ben nous allons dans le ciel, non. Nous allons vivre dans le ciel parce que nous pas inscrit sous cahier la terre, cahier dans le ciel. Ben Christ est dans le ciel lié, bon Dieu est dans le ciel lié. Mais le livre là, c'est dans le ciel. Donc, l'expression inscrit dans les cieux signifie que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. En Jésus-Christ, nous tous nous élus avant la fondation du monde. Donc, ça parle dit, nous parlons de vie éternelle au ciel. Loin de là. Nous sommes dans Paul, nous parlons de Pierre. Pierre parle lui-même de l'héritage nous est réservé dans les cieux. En Pierre, premier verset 1 à 5. Pierre parle de l'héritage capitaine dans l'ancien. Est-ce que ça signifie que nous allons vivre dans le ciel pour tout le temps? Maintenant. 1 Pierre, premier verset 1 à 5. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le monde, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, et la vie. La Bithynie. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à la l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grâce, miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, mais qui nous est réservé dans les cieux. Voilà. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Bon, nous avons été là. Ça qui puisse pas être un problème dans le texte, là, c'est l'héritage nous est réservé dans les cieux. On a dit l'héritage nous est réservé dans les cieux, et bien, il y a le ciel pour y aller. L'héritage nous est réservé dans les cieux signifie que le royaume des cieux vient de Dieu. L'héritage là, il est réservé dans le ciel, mais ça ne parle pas de nous autres. Nous allons au ciel, nous allons vivre pour toute l'éternité. Dieu est au ciel, normalement, et bien, l'héritage nous est réservé dans les cieux. Mais ça ne permet pas de parler dans le ciel pour avoir un héritage là, puisque Jésus-Christ même là sur la terre. Eh bien, il y aura une nouvelle terre là, c'est clair. Bon Dieu dit qu'il va créer l'autre terre, il va créer l'autre ciel. On fait tout ça déjà, puisque Dieu va créer d'autres cieux et une nouvelle terre. Et Pierre dit que c'est sous nouvelle terre ça, justice, bon Dieu, va habiter. Donc Jésus parle sur la terre en chair. L'héritage nous est réservé dans les cieux, ça veut dire que le royaume des cieux vient de Dieu. Ou encore ce royaume vient des cieux. La décision, l'autorité, le pouvoir, la loi, tout bagage absolu dans le ciel. Donc, l'héritage nous est réservé dans les cieux. Donc, l'absolu dans le ciel. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui parlons dans le ciel, on a le point héritage pour toute l'éternité. Verset 1, en pile. Hébreux 2, Éphésiens 2, verset 4 à 7. C'est tout verset que nous prenons pour. On dirait qu'il n'y a pas le ciel. Éphésiens 2, verset 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Bon Dieu qui est riche dans miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a fait. À cause du grand amour qu'il nous a fait. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous même qui étions morts par péché nous. Nous avons pu à la vie avec Christ. Avec Christ, bon Dieu vient nous la vie. C'est par grâce que nous a tenu. Ok. Il nous a ressuscité ensemble. Bon Dieu ressuscité nous ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ouais, bon Dieu fait nous chita. Dans le lieu céleste en Jésus-Christ. À
afin de montrer le siècle à venir l'infini. Voilà. Mais ça, tu es mon honnête. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mais le texte l'a dit en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes. Virgule, en Jésus-Christ, virgule. Ça veut dire en Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Puisque ce n'est pas Jésus-Christ pour nous passer pour nous la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui devine nous pour nous donner la vie éternelle. Qui côté Jésus-Christ est? Jésus-Christ dans le ciel. Mais si Jésus est dans le ciel, comme si nous autres, nous sommes dans le ciel. Nous sur la terre, mais toute décision qui a sorti, c'est dans le ciel qui est sorti. Eh bien, nous dans le ciel là, tout en Jésus-Christ. Par contre, si nous, ouais, nous chita dans le ciel là, nous chita dans les lieux célestes, dans qui est? Dans Jésus. Mais ça ne veut pas dire nous chita. Est-ce que actuellement dans le ciel là, tout comme sur la terre? Mais est-ce que vous avez un plan de faire un chita dans le ciel éternellement? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais nous ne sommes toujours, mais nous sommes toujours sur la terre. Dieu nous voit en Jésus-Christ, c'est ça. Le bon Dieu, ouais, nous, c'est à travers Jésus, ouais, nous. Nous sommes sur la terre. Et Paul dit que nous chita avec Jésus, nous chita dans les lieux célestes. Il précise, heureusement, mettez ça entre les guillemets. Il mettait en Jésus-Christ entre les guillemets. Bon Dieu fait nous chita ensemble dans les lieux célestes, virgule, en Jésus-Christ, virgule. Afin que nous puissions monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ, bon Dieu, ouais, nous, parce que Jésus-Christ qui mourut pour nous. C'est Jésus-Christ qui baille la ville pour nous. Donc, à chaque fois, bon Dieu, ouais, Christ en l'air, bon Dieu, ouais, nous tout. Donc, nous chita dans le ciel, yo, en Jésus-Christ. C'est ça, ça veut dire. Ça va veut dire nous parler chita dans le ciel, nous avons une chaise, chaise, balle, chaise en or, capitaine dans le ciel, là, nous parler chita, nous allons vivre pour le temps. Loin de nous cette question, cette prétention. Alors, les versets sont nombreux. Frère, des bons versets, là. Avant de continuer dans l'autre verset, par nous. On peut y en parce que beaucoup fait, nous pas bien tout verset par nous dans l'histoire, par nous. On a loué, frère, par nous, là, et Matthieu 22, verset 23, à 30. Et Liban, Apocalypse 21. Matthieu 22, verset 23 à 30. Le même jour, on va dire Matthieu dans l'esprit, non? Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui dirent cette question. Mais Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son père. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la mort? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de temps, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le trouver. Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le prochain, le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, oui, qui ça pourrait avoir montré dans toutes les saisons? À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais nous serons comme des anges dans le ciel. Mais ça, c'est un problème, non? Nous serons comme des anges dans le ciel. Mais
pas qui réponse à gueule là qui dit que belle financière pour tout le temps. Et puis Jésus dit à la résurrection, garçon pas prend fille, fille pas prend les hommes de prendre au corps des femmes, ni les femmes de mari, mais il y a tant qu'aux anges financiers. Nous serons comme des anges dans le ciel. Mais les anges ne sont pas sur la terre. Nous sommes comme des anges dans le ciel. Mais pas dit, nous prenons le ciel, nous prenons le ciel pour tout le temps. Alors, non, pensez pas, la traduction parle, ça veut dire, les anges dans le ciel là pour tout le temps, mais non, même les anges pour tout le temps dans le ciel là. C'est une fausse interprétation. Bon, c'est vraiment dommage. On nous prend un bel verset, Luc 23, verset 42 et 43. Luc 23, verset 42 et 43. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mm-hmm. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Il y a un monde qui peut faire ça pour dire, mais côté, on monte dans le ciel, dans le paradis avec Jésus. Jésus, c'est, il y a parlé de là, on gauche, là, on droite, etc. Et il y a un monde qui t'a moqué Christ à la croix, il y a un même qui te reconnaît, pardon, péché, le faute de Dieu. Et puis, il m'a dit Jésus, pardon, ce qui ça Jésus dit, il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça, c'est une grosse déclaration. Monsieur, ça pas n'importe monde. À travers déclaration, l'aide pas n'importe monde, ça veut dire son monde qui te compte parole, son monde qui te quelque part t'attendait la parole de Christ, son monde qui t'a suivi. Parce que Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parce que lui connaît un jour Jésus qui a vu régner sur la terre. Lui dit Jésus, loi vient régner, songe-moi. C'est clair. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. À la différence, monsieur, ça ne peut pas faire l'école théologique. Il ne peut pas faire 4 ans, il ne peut pas faire 5 ans, il ne peut pas faire 10 ans. Tandis que quelqu'un qui fait 4 ans l'école théologique, il a pensé, Jésus, ça vient prendre, il a le vie dans le ciel. Monsieur, ça lui-même, quand il parle, on a entendu, il reconnaît Jésus qui vient régner sur la terre. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qui répond Jésus Bali? Moi, d'où ça, je dis là. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus pas dit, monsieur, vous allez avec dans le ciel, non? Comme dans le ciel, vous allez, et même tout ça, je dis, dans le ciel avec moi, non? Jésus dit, tout ça, je dis, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, lorsque Jésus va retourner sur la terre, monsieur Salab, là avec Jésus sur la terre, en chair et en os, c'est ça la dit là. Jésus a fait la promesse le jour de sa mort. Mais il ne lui a pas dit qu'il monterait avec le ciel le jour de sa mort. Jésus a dit, monsieur, l'aime mourir là, n'a pas la mort. Non. Il dit, l'aime, gué pour me retourner, ou pas même. Mais nous, ou pas pour même dans le paradis. Le paradis n'est pas le ciel. C'est ça, mon yon comprend. Yon comprend là pour même le paradis, c'est le ciel. Yon parle dans le paradis, yon parle dans le ciel. Non. C'est la terre qui sera transformée en véritable paradis. La terre était déjà ce paradis avec Adam. La terre ne devient plus paradis, la terre n'est plus paradis à partir du moment où Adam a commis le péché en mangeant de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Immédiatement, Adam mangeait la Bible à la vie, Adam connaît la vie du péché, Adam, la terre vient pas paradis encore, la terre cesse d'être paradis, mais la terre sera restaurée. Il y a la promesse de restauration, vos promesses qui est déjà faite pour transformer la terre, restaurer la terre. Bien, lorsque Jésus va sur la terre, la terre va entièrement transformer, la terre redeviendra un véritable paradis. La terre retournera dans ses conditions héléniques. Alors, verset en pile, mais presque tout, on sait nous-mêmes bagaille. C'est côté mounioué des cieux, céleste, je pense que c'est dans le ciel, je vais aller. Mais ce n'est pas ça du tout. Christ, puisque Christ en l'air, eh bien, bon Dieu en l'air, les décisions eh bien, viennent des cieux. Tout bagaille, c'est dans le ciel, il a sorti, ce n'est pas sur la terre. Donc, pas quand vous parlez de céleste, et mon grand c'est dans le ciel. Par exemple, dans 2 Timothée 4, verset 18, n'appli rapide, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire
entrer dans son royaume céleste. À nous la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que Paul t'a dit là, eh bien, Jésus a venu pour l'amener vivre dans le royaume. Le royaume vient des cieux, c'est ça que Paul parle du royaume céleste. Pour me faire entrer dans son royaume céleste, n'oubliez pas que la Jérusalem vient du ciel, la nouvelle Jérusalem. Il était dit ça dans Apocalypse. Eh bien, lui, elle descend la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Donc, le royaume céleste pour le royaume des cieux, pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur la terre avec l'autorité du ciel. Mais ça ne va pas dire que nous ne pouvons pas monter dans le ciel là pour nous arriver pour tout le temps. Alors, nous te disons déjà, nous ne disons pas qu'il y a quelqu'un qui va dans le ciel. Oui, il y a quelqu'un qui va dans le ciel. Il va aller pour 3 ans et 6 mois. Après, il va retourner avec Jésus à la fête des tabernacles pour régner dans un premier temps. 1000 ans. Jésus va nous régner 1000 ans qu'il va faire sur la terre. Après, il va nous mettre autorité à papal pour nous entrer dans l'éternité. Donc, nous avons été là pour aujourd'hui. Nous espérons que nous. Donc, c'est sûr que dimanche prochain, nous allons entrer dans un gros sujet ça. Qui c'est le mystère de la divinité ou encore la hiérarchie de Dieu. Pour ne pas parler qui est bon Dieu, qui est Jésus, qui est l'Esprit Aïe, et pour ne pas parler de la Trinité si vous voulez. C'est ton plaisir. Maintenant, si il y a une question, nous mettons là. Pourquoi nous avons un message là? Puisque nous avons analysé quelques versets. Les gens nous rejoignent avant ces versets. Ça où? Est-ce que frère Agon, dernier verset, nous n'avons pas parlé de lui? Qu'est-ce que vérifie pour nous? Nous plaît toujours là, même pas c'est avec quantité nous baillons là, nous assez édifiés. Il était parlé de Apocalypse 21. Non pas pour Apocalypse 21. On a ça Apocalypse 21 dit non, mes amis. Pour nous finir, on prend Apocalypse 21. Il était pas non Apocalypse 21. Assurément, Apocalypse 21, elle parle de Nouvelle Jérusalem. On a la donne. Lise seulement dit Apocalypse 21. Ça veut dire que vous voulez lire tout le texte là. Hein? Est-ce qu'on a lu tout? On est pour les premiers versets, c'est vous parlez de. On a lu? Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, il avait été plus. Et je vis des hommes du ciel, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Mais ça fait le diable, même là, même on avait ça. Maman, le verset, ça l'a dit, il a pris. Son verset, le point qui contrecarre, ça l'a dit encore. Les parler pour un ralent texte qui a goûté avec son texte qui contrecarre tout ça, le dit encore. Mais Nouvelle Jérusalem, moi elle descend sur la terre, mon frère. Donc, pas qu'un vieux ténèbre au ciel, mon frère, c'est sur la terre. Et nous avons un frère qui font commenter là, un frère qui brésil, nous saluons au vallon. J'ai dit, il n'y a pas besoin qu'on ait côté le bralé. Celle-là qu'on ait côté Jésus, il y a aussi simple que ça. En se levant, mon cher, c'est pas aussi simple, non? C'est aussi compliqué que cela. Hein? Où nous répondons, quand Jésus a habillé? Par contre, si tu as suivi l'étude, nous t'avons fait 15 jours, nous t'avons parlé de nécessité de la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, mon frère. Pour sauver, il faut avoir la connaissance exacte de Dieu. Ou pas pas sauver dans l'ignorance. Donc, ou pas qu'il pas besoin qu'on ait. Pas de monde qui pas qu'on ait sauver, il faut qu'on ait. Hein, Valon, frère Valon, faut qu'on connaisse, on pas qu'à pas besoin qu'on ait, c'est seulement côté lié ou habillé tout, mais faut qu'on ait côté l'habillé. Si on marche à Christ, faut qu'on dise que ça mène. On ne peut pas qu'à mon cher, on a le devant avec là. On a dit, on a la ville avec moi, on a dit, on a ça va le faire. Ça va régler la ville là. Li du côté lié à c'est là bien tout. Il faut chercher qui côté là bien parce que li dit qui côté là bien. Donc on pas cadre pas besoin qu'on ait. En pile monde prend ça comme une excuse pour pas chercher comprendre bon Dieu pour servir bon Dieu. Oui. Yo prend comme excuse, on pas bien connait moi même côté Jésus là on va et tout et au fini. Oui, yo en son vieil. Mon frère faut chercher connait côté Jésus à pied. Donc on sait là que États-Unis vont verset pour nous là Luc 23 verset 42 à 43. Non, pas ne pas parler de verset ça. Oui, ne pas parler de livre. C'est un gars d'âge. Non, tu parles de livre.
de Luc 23, verset 42 à 43. Donc, libérons tout de Timothée 4, verset 18. Allons lire de Timothée 4, verset 18 pour lui. Ce que déjà nous saluons depuis les États-Unis. En ce Valon, nous saluons depuis le Brésil. Alors, mon cher Valon, faut qu'on ait. À quoi vous n'avez pas besoin de demander, vous n'avez pas besoin de mêler. La Bible dit au monde qui n'est pas contre la loi, la pays sans la loi. Ou contre la loi, tout pas pratiquer la loi. Si vous n'avez pas besoin de nous, donc il faut qu'on ait, frère. Oui, c'est Abanon 2 Timothée 4, verset 18. Nous saluons Maxophonie, nous saluons Denis Rousseau. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la réflexion est déjà arrivée, ce qui renverse la foi de quelqu'un. Bon, ce gars d'abord, il s'en est dit dans le Timothée 4, verset 18, là, non? Vous voulez le texte là pour nous encore? Vous voulez le texte là pour nous? Ils se sont détournés de la vérité. Ah, ce sont ceux de beaucoup qui étaient en face Paul. Comme il met les filets, il se dit, résurrection passée déjà. Disant que la résurrection est déjà arrivée. Oui. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Ah, ben ok, bon. Ok, la foi de quelques-uns. Mm-hmm. Le monde s'en dit, résurrection passée déjà. Eh bien, même gens qui ont vu dans le ciel là tout, ben, et faut en pile, on a renversé avec le vivre dans le ciel pour toute l'éternité. Ce qui est dans Jean-Yves, notre verset là, Apocalypse 21, verset 29. Apocalypse 27, verset 27, verset ce qui est là. Par contre, je ne sais pas, verset 29 là, non? Vérifier. Ok. Mon salut à tout, Géda Georges, ma cousine. Donc, Ansley, mon cher, il faut chercher pour une vérité pour le bon Dieu. Ce n'est pas ça, pas la donne du tout, non. Pas de salut pour vous. C'est le monde qui joint la connaissance exacte de la parole de Dieu qui pratique le cap sauvé. Donc, salut, Jean-Marie Fouézin depuis les États-Unis d'Amérique. Cap sauvé, nous là. Un bon ami. Jean-Marie Fouézin, nous saluons. Et tout le monde qui branche ensemble avec nous là. Et nous saluons nous tous. Nous avons Christ là. Donc, je vous dis assez sans dépouter pour vous. Nous avons analysé ensemble de versets que vous nous utilisez pour Dieu pour le ciel, pour le temps, pour l'éternité. Nous même nous venons pour expliquer versets pour vous, de telle sorte que vous ne pouvez pas répéter les choses comme ça encore. Donc, le plus souvent, vous voyez Jean 14, afin que là où vous soyez aussi, il y a plusieurs demeures. Eh bien, nous t'expliquons le texte déjà, nous reprenons encore, parce que nous avons bien des frères qui débattent plusieurs versets qui t'avaient dit le ciel pour toute l'éternité. Eh bien, analysant ce verset, nous ne savons pas ça du tout. Nous saluons Marie-Cécile Petit-Blanc, qui suit nous là depuis Haïti, et puis Blain, ma cousine. Nous saluons tout le monde qui est connecté, Frère Donaldson depuis Brésil, Frère Wilson Dionne depuis Brésil, Maître Bar, nous saluons, qui est chez nous. Mais il y a des gens qui appellent les gens là, malheureusement, ils arrivent dans la fin du sujet. Ils arrivent dans la fin du sujet. Frère Valon de l'église Palais, moi j'aime ça Frère Valon. Ah oui, c'est ça. Qui ça encore nous pas dit? Qui est-ce qu'on pas salué là? Nous sommes salués tout le monde. Qui branche ensemble avec nous? Il y a moi qui t'ai branché, qui pas arrêté. Peut-être activité ou permettre que vous pas arrêté. Mais j'espère que le sujet dimanche prochain hein? Et auditeur nous t'a branché exactement à 12h30. Le sujet est assez volumineux. Et il parle en pile débat, le mystère de la divinité, ou encore la hiérarchie de Dieu. On va analyser qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit. On va aborder la question de la Trinité. Frère Donaldson dit c'était à la croix. C'était à la croix. Oui, Jésus te dit, monsieur, pour te m'aider, on va et tout. Par contre, nous tous, je dis, on va dans le paradis. C'est à la croix. Frère Donaldson Bar qui sortait le dit, est-ce que c'est à partir du verset saoudi, c'était à la croix? Nous saluons Rachel, Spelancia, Keisia, Toussaint. Jean-Wilson Dieudonné, nous saluons depuis le Brésil. Jean-Wilson Dieudonné, nous connaissons en posant plus de questions. Donc, on très édifié par rapport à ce sujet. Il faut te poser, il va brancher. Non, malheureusement, pas. Bon, sûrement, elle a le temps de regarder la vidéo, elle pour nous analyser vers celle-là. Et puis, là-bas, nous. Là, nous allons comprendre ensuite. Merci, Frère Wilson. Ok, en ce moment, dit non, Jean 14,
dans verset 6, dans 6 premiers versets, yo, Jésus confirme parole là. Ok, ok, merci Valon. Ouais. Salut tout Marie-Cécile Petit Blanc, moi non très bien. Ok, j'aimerais que Dieu nous dise qu'il était clair, sur verset yo. Ça ne fait pas, il ne va pas poser question, c'est correct. Frère Donaldson Temoura dit non, depuis le Brésil. Le Jésus te dit pour préparer place là, c'est question ça, moi te répondre. Ah, ok, ok, ok. Ok, c'est ça. Oui, Jésus t'a parlé pour parler ça, t'a parlé mourir pour sauver l'humanité. Donc, on te dit ça, s'il pas mourir, t'as rien moyen pour personne sauver. Dieu ne nous bénisse malheureusement, vous brèchez un peu trop tard. Depuis les États-Unis, nous saluons. Dieu ne nous bénisse. Dieu ne nous bénisse, il y a plusieurs questions pour le déposer sur le sujet passé. Moi, j'ai oublié de poser des questions. Hein. Donc, vous pouvez toujours poser, soit pour nous ou bien pendant la journée. Hein. Vous avez déposé plusieurs questions sur le règne millénaire. Vous avez dit son sujet un bon sujet, ou même un sujet, ou bien plusieurs questions. Donc, vous pouvez toujours poser des questions, on apprend mieux. Dieu nous bénisse. Depuis les États-Unis, précisément Jacksonville. Et, ok, parce que tout est dit, tout est clair. Donc, on attend dimanche prochain, si bon Dieu voulait, pour enseigner sur le mystère de la divinité. On a parlé de la Trinité, l'existence d'un Dieu en trois personnes. On va parler de ça, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On va parler de ce grand sujet à partir de dimanche prochain. Ah ben, c'est un plaisir de tout le monde. Merci qui t'es connecté ensemble avec nous, qui t'es passé du temps ensemble avec nous, qui t'a partagé, qui t'a suivi parole là ensemble avec nous. Nous bénissons, bon Dieu, pour ça. Donc, nous espérons sujet ça et aidez-nous. Nous saluons un peu le monde qui fait quatre montées là. Raoul Petit Frère, un bon ami depuis les États-Unis d'Amérique. Malheureusement, Tasso Tavis. Wesley Louis, ça va bien? Oh là là, ben, nous avons monté trop tard, malheureusement, l'air a fini. L'air a fini, mes amis, nous avons monté un peu tard. Et nous commençons exactement à 12h30. Donc, nous finissons plus ce sujet. Nous avons mandat de finir à 2h, mais nous finissons ce sujet. Si ce sujet a fini plus, donc nous avons intérêt à vous noter. Donc, Nikelida de l'aîné, nous saluons, qui a participé ensemble avec nous. Donaldson Temoura, les font commentaires. Mes amis, il y a un gros bagaille qui a dit là. Partagez l'œuvre là pour le monde qui a joué. Merci, c'est bon. Bonhomme Johnson, salut. Johnson, ou Haïti, ma part, ou bien, Kotoye. M'a vendu 4 jours. Est-ce que Haïti, ou bien, Brésil, Chili, États-Unis, Canada? Bonhomme Batado, même là. Qui Kotoye, papa? Mon salut, Jonathan Romelus, cap sur nous depuis le Canada. Bonjour, Benoît, Jonathan. Et... Ah ben non, ça c'est fini. Qui a l'autre commentaire? Pas l'autre commentaire encore, pas rien du tout. Pas de question. Moi, mais le sujet est clair. Mélande Delphos, Brice, nous saluons. Comment est-ce, Mélande? Mélande ou Haïti ou bien aux États-Unis, Canada, Brésil, Chili? Comment est-ce, Mélande? Consumé? Comment est-ce, Mélande? Conserve Kendi? Non, salut, qu'est-ce que vous avez dit depuis Haïti? C'est l'évangile, mes amis. Merci. Qu'est-ce que vous avez dit? Je souhaite que dimanche prochain, vous brèchez plus bonheur. Parce que c'est à 12h30, nous démarrer. Donc, Milan Delphonse, dimanche prochain, 12h30, brèchez. Nous allons parler de la Trinité, le mystère de la divinité. C'est un gros sujet. Nous allons parler de lui. Donc, nous espérons tout le monde là pour faire des baillons ensemble avec nous. Amen. Tout est dit, mes amis. Souhaitez bon Dieu béni, nous, bon Dieu prend soin, non? Bon Dieu ouvre intelligence, non? Chaque jour, pour nous comprendre parole, pour nous faire service. Parce que Jésus dit, si on est aveugle, à conduire l'autre aveugle, de tout l'aider, à tomber. Alléluia. Même trou. Donc, dans Isaïe, bon Dieu dit, mon qui a conduit le peuple là, l'a bégaré, mon qui quitte à bégaré, il a tout, il a perdu. Donc, l'important, pour ne pas quitter n'importe monde, à diriger nous, n'importe monde, à enseigner nous. Parce que les gens qui pensent que c'est garé la bégare. L'homme on a poussé le ciel, ce n'est pas la caille. La terre,
le monde pas la caille dans ciel le balle on monde pas pas vivre dans ciel avant pour toute l'éternité c'est égaré la bigao on monde dit le règne des c'est dans ciel la vie monde ça c'est égaré la bigao autant on te parle de ça déjà on t'a parlé de nécessité de la connaissance donc ils sont vérité fortement à chercher connaître ça pour Dieu dit exactement pour nous capable faire service pour nous droit à la vie. Monsieur bon Dieu bénis nous, monsieur bon Dieu prends soin, monsieur grâce bon Dieu était sous tête nous. À dimanche si Dieu veut et une très bonne semaine à vous tous. Bye. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, va tout encore. Oui, bien.